Bartok Impression, c'est né de la rencontre du contrebassiste Mathias Sandai, hongrois qui vit à Paris depuis 10 ans, avec qui j'ai fondé mon premier quartet. Et en discutant de musique et en rêvant, on a eu envie de faire quelque chose autour de Bartok. Et pour ça, il a voulu me présenter son ami d'enfance et grand cymbalomiste Miklós Lukács. Cimbalom is a very special Hungarian instrument. This is cimbalom is a bohák, Lajos bohák type. The sounds like sometimes in the piano, mixing the guitars or the vibraphones is a percussion instrument, but we play beautiful melodies and we play the bass line. So I'm very happy too. I'm cimbalom player. Alors déjà, Bartok, pour moi, c'est totalement lié à l'enfance, parce que moi, j'ai une éducation de musicien classique, donc j'ai travaillé ça au conservatoire, et c'est un peu les premières œuvres où j'ai pressenti une chose de l'ordre du folklore, en fait. L'improvisation a énormément de place et ce qui est très intéressant, c'est que les règles, parce que l'improvisation, c'est toujours fixer des règles du jeu un petit peu, et les règles du jeu, il y en a plein de différentes. Il y en a où on a pris les morceaux et on a extrait des harmonies, quelque chose qui ressemblerait à une grille un peu d'un morceau de jazz, presque d'un standard traditionnel, mais on a plutôt saisi des cellules qu'on essaye de développer par leurs motifs un peu mélodiques, souvent assez angulaire, et on essaye de partir dans des imbros assez libres, mais en conservant cette couleur-là. Yeah.